Et si on essayait de changer ton image? On va faire une interview changement d'image. Victoria, est-ce que pour changer votre image, vous pourriez ne pas sourire tout le temps? Je souris tout le temps? Que je fasse la gueule, ouais. Je te fasse la gueule à la française. Voilà, la française. Voilà, comme les françaises, bien. Une vraie française. À la parisienne. Attends. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez arrêter de tutoyer tout le monde? Bah, il faudrait que je m'apprenne les verbes en bout. Ouais. Mais je vais y arriver. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez arrêter d'avoir cet accent espagnol? Si, pour un film, je travaille beaucoup, je me concentre beaucoup, je répète comme un perroquet, je peux. Tu peux. D'ailleurs, dans les films de Jeanne Labrune, ouais. Je suis presque arrivée à ne pas avoir d'accent. Didi, une phrase sans accent, là, pour voir. Non, mais il faut que je travaille. Hein. Ah, ouais, c'est... sinon, que c'est je pas me concentre, possible. À mort. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez accepter de ne pas être nue dans un film? Oh, bah écoute, ça fait longtemps que je ne me montre plus. Hein. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez jouer une fille frigide qui déteste l'amour? Ah, la pauvre. Mais tu sais qu'il n'y a pas des femmes frigides, c'est l'homme qui est maladroit. Ah oui. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez dire non à un film d'Almodovar? Bah oui, je l'ai fait avant de travailler avec lui, mais pas maintenant, parce que tu sais, lui, avec ses sexes, ça allait prendre 17 ans, hein, ouais. À les reprendre. Donc, si jamais il me rappelle dans 7 ans, ouais. Tu vois, je ne pense pas que je lui dirais non. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez coucher avec Franck Dubosc? Avec qui? Franck Dubosc. C'est qui? Un campeur. Bah, je sais pas, tu sais, ces trucs-là, il faut les connaître, il faut voir, je sais pas. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez vous la péter à mort et parler de vous à la troisième personne? Oh, elle est pas mal. Non, non. La troisième personne. Est-ce que pour changer votre image, vous pourriez dire que le sexe, ça vous dégoûte? Oh putain, la seule chose qui est gratuite et qui nous rend la vie, gratuit, la banane. Gratuit, gratuit, parle pour toi. Alors Florent, on a parlé tout à l'heure de problèmes d'image liés aux histoires d'impôts. On va voir ce que vous seriez prêt à faire pour changer votre image. On va faire une interview changement d'image. Florent, est-ce que pour changer d'image, vous êtes prêt à dire que c'est important de payer ses impôts et d'être solidaire des plus démunis? Ça fait déjà rire les plus démunis. non, mais moi, c'est tout le discours. Oui, bien sûr. Vous êtes solidaire des plus démunis, dites-le. Mais moi, je viens de ce milieu. Bien sûr, je sais. Je, ouais. Tu vois, donc à un moment, bien sûr que je suis solidaire des plus démunis. D'accord. Et puis, mais que j'intègre article 22, chacun ses mains. Il va y retourner, il en vient. Où ça? Des plus démunis, tu vas pas y retourner. Ah bah, tu peux y retourner du jour au lendemain. Bah oui, tu verras. La retourne, bien sûr. Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois. Ouais. Oui, je me suis. Ah oui, c'est oui, l'époque. Moi, je suis retourné où, aux plus démunis. Philippe Stark a été obligé de vous donner un terrain au bord un petit de la coin, Seine. Parce que je dormais dans ma bagnole. Quand il est démuni, on lui donne un terrain au bord de la Seine. Mais ça, après, c'est le destin, mon pote. Ouais. Est-ce que pour changer d'image, vous êtes prêt à offrir les droits de votre prochain disque au Reste du Cœur, Florent? Ah bah non. Quoi non? Bah non, Florent. Pas au Restaurant du Cœur. Les Restaurants du Cœur, c'est le truc qui marche le mieux. À l'Abbé Pierre. Il faut donner quelque chose qui d'un seul coup vaut. L'Abbé Pierre. Bah oui, mieux déjà. Oui, bien sûr. D'accord, ce qui est dit est dit. Ouais. Merci. Il y en a un qui arrive après qui s'appelle le Père Pedro. Parfait. C'est formidable, vraiment. Est-ce que pour changer d'image, vous êtes prêt à aller vivre dans le Luberon plutôt qu'en Patagonie? Ah non. Non. Mais je crois qu'il y a des impôts dans le Luberon. Hein. Ah mais oui. C'est bien. Le Luberon, non, mais c'est très, si on parle juste de qualité caviar, de vie. Quand même. Ouais. Ah non, mais bon, même si tu veux aller dans le Nord, il y a forcément des endroits super dans le Nord. Bien sûr. Mais on vérifiera, mais je suis pas sûr. Hein. Pour moi, c'est tout pourri, le Nord. Hein. Attends, mais lui, il vient du Nord. Par rapport au Sud, c'est juste en face. Est-ce que vous seriez prêt à faire un duo avec Juliette? Juliette? Oui, tu sais pas qui c'est, Juliette? Mais j'ai fait un duo avec Juliette. Ah, hein? Juliette? Ouais, la petite qui jouait dans Juliette et Roméo. Non, Juliette. Alors, qu'est-ce qui t'imite bien? Fais-nous de finesse. Ah, Juliette, elle avait eu une victoire de la musique avec des lunettes, toutes bouclées. Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que, pour changer d'image, vous seriez prêt à chanter moins fort?
Ah non. Non. Rien à faire. Si, les gens n'ont qu'à baisser le volume chez eux. C'est pas vrai parce que je prends plaisir à chanter moins fort quand ça se présente, enfin quand la musique permet. Ah. Est-ce que vous seriez prêt à chanter Je suis pour de Michel Sardou? C'était pour la peine de mort. Je pense que comme un bon humain qui se respecte, à certains moments de ma vie, tu dois pouvoir te dire il y a des choses qui se passent où je serais pour. Après, tu raisonnes un peu et tu fais bon, non, faut peut-être pas y aller, mais. Mais oui, je pense qu'on peut avoir des excès comme ça, ouais. Est-ce que pour changer d'image, vous seriez prêt à porter des strings en cuir? Des strings en cuir, mais je ne sais même pas si j'en ai pas déjà porté. Non. Attendez, je crois que c'est ça que tu mets pour rentrer les bêtes, quand même. Il y a quand même des trucs rigolos de temps en temps. Est-ce que pour changer d'image, vous seriez prêt à porter des t-shirts trop étroits pour devenir une icône gay? Ah. Ben, écoute, moi, j'ai rien contre les gays. Mais juste qu'ils soient pas contre moi, trop contre moi. Non. Non, mais t'as qu'à pas les exciter avec tes strings en cuir aussi. Attends, c'est pareil. J'ai aussi des photos comme ça. Ah ouais? Ah oui, plus jeune, j'ai fait des photos et tout, avec des trucs plus collants, un peu... À l'époque du Brode? Oui, moi, j'étais barman au Brode. Tu l'as échappé belle, hein. Eh, mais attends, j'étais le seul hétéro au milieu de tous les homos. Mais ce qui était d'ailleurs un très bon plan, c'est que dès que je rencontrais des homos qui commençaient à me faire, mais tu sais pas ce que tu rates, tu fais, attends, j'étais barman au Brode, mon pote. Ouais. Je sais très bien ce que je rate pas. C'est surtout pas ça. Mais bon, voilà, à un moment, c'est comme ça, c'est le destin pour plein de choses. Je me rends pas compte, je peux pas dire. Non, mais je te dis... Est-ce que pour changer d'image, Florent, vous êtes prêt à dire aux jeunes que la drogue c'est mal et que vous n'en avez jamais pris? Je suis prêt à expliquer aux mômes que les tarpés c'est comme l'alcool. Attendez d'avoir tous vos neurones avant d'en éliminer quelques-uns. Par contre, une fois que vous avez tous vos neurones, vous allez voir, c'est vachement sympa. Ouais. Tu vois? Ouais. Non, mais c'est la vérité. C'est un moment, c'est pas fait pour les gamins. Mais quand t'es un peu plus vieux, tu fumes un petit pet, ça peut te faire du bien, surtout quand tu viens faire ce genre d'émission. Est-ce que vous êtes prêt à défendre les 35 heures pour changer d'image, Florent? Ah, pas du tout. Ah non? Ah non, moi je trouve que c'est une bêtise. Ah ouais? Ouais. Faut travailler moins? Non, c'est soit tu fous rien, soit tu bosses. Mais bon, trouver des espèces de trucs intermédiaires, ça fout que le bordel. Ouais. Donc, alors j'avais une question, là, est-ce que pour changer d'image, vous seriez prêt à faire une queue de cheval? Regarde. Je crois que c'est fait. Vous seriez prêt à tourner dans un porno pour changer d'image? Ah non. Quoi? Avec des moutons? Non. T'appellerais ça y a pas de mai? Non, attends. Non. Ça peut marcher. Non, moi, j'ai pas ce truc-là. Est-ce que pour changer d'image, Florent Pagny, vous seriez prêt à demander pardon? J'ai fait quoi? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.